Et nous avons survécu. Ouh! Je crois qu'on a une aurore boréale. Oh! Mince. Ok, le vent a dû... Ouais, le vent a dû... souffler notre feu. Et c'est embêtant, ça. On a une aurore boréale. Ouais, non, ça réchauffe vraiment pas du tout. Alors, par contre, je crois savoir où on est. Alors, on est dans une zone qui est complètement pourrie. Pour un début. En tout cas. Pour un début, c'est une zone bien nulle. Bien nulle. Très difficile à survivre. Donc ça, c'est un problème. Par contre, je crois que je vais... Je vais faire encore un petit tour et potentiellement revenir à l'igloo et dormir le plus possible. Car on a encore de la nourriture et tout ça. Donc on va récupérer des bois. Mais par contre, cette zone... Oh, c'est quoi ça? Un lapin? Oh, yeah, c'est des lapins. Si je dis pas de bêtises... On est à Milton. Je crois qu'on est à Milton. Si je dis pas de bêtises. Ouh, grotte. Donc ça, c'est une des très bonnes choses. Milton est vraiment pratique, surtout au début. Mais le problème, c'est d'y arriver. C'est vraiment d'y arriver. J'ai fouillé ça ou pas? Oui, je l'ai fouillé celle-là. Okay. Ouais, c'est vraiment le... C'est vraiment le problème, c'est d'arriver à Milton. Je crois qu'on est à côté. Hein. Je crois qu'on est très très proche de Milton, en fait. Je vais essayer d'attraper celui-là. Et merde. Vite, il fait froid! Oh mon dieu, il allait loin. Ouais, nous on venait de là, on est descendu et il faut une hachette pour couper les... comment ça s'appelle? Les petits... les ronces. Oui, c'est des ronces. Donc ouais, il faut une hachette pour couper les ronces, ça c'est un problème. Il est revenu le lapin ou pas? Non, même pas. Mais je suis assez intrigué par le fait... On ait trouvé des objets comme ça, genre très rares. En fait, c'est des objets qu'on ne trouverait pas normalement. Mais après, j'y avais pensé parce que apparemment, il y aurait des genre des nouvelles armes à feu, par exemple. Donc du coup, si on joue dans notre difficulté, en théorie, on ne devrait pas trouver d'armes à feu. Du coup, on passe à côté en fait de toutes les nouveautés, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que du coup, bah, ils ont dû changer ça. Et bah, c'est pas une mauvaise chose, tout simplement. C'est vraiment pas une nouvelle chose. Alors attends, est-ce qu'on a... Ah, c'est bête, j'aurais dû... J'ai pas... Ah, si. Yes. Okay, cool. Ok, très bien. Ok. Très très bien, il faut que je prenne une torche absolument, il m'en faut... On faisait quoi avant l'année dernière? C'était quoi? 3 torches minimum? Je crois que c'était 3 torches. Au cas où. Ça aussi. Alors, tout le long de notre aventure, je vais sûrement essayer de donner des conseils, même si je sais que beaucoup de personnes qui regardent ma survie connaissent très bien le jeu déjà, mais par exemple ne jamais faire du feu directement avec des allumettes, parce qu'à chaque fois qu'on gratte une allumette, en fait, on la perd. Donc du coup, ça c'est un problème. Le feu a changé aussi, c'est pas le même exactement. C'est pas le même même graphisme et tout ça. On va augmenter la chaleur. Et on va mettre un gros bois aussi, tant qu'on y est. Alors, ça on le pose, ça on le pose, ça aussi pour le moment. Ça. Très bien.
Ok. Bon, je voudrais d'abord... Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Attends. Ah oui, 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 non. Pardon. J'avais pris la nourriture. D'abord, je voudrais de l'eau. On va faire tout ce qu'on a là. Les petites choses et tout ça qu'on a. 16 minutes, 1 minute, 30 minutes. On va faire cuire la viande et tout ça. Et après, on va essayer de dormir le plus possible pour qu'on se lève le matin. Ok, très bien. Le reste du lapin, je crois qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, on va le laisser. Ça, on va le garder aussi. 6 minutes. Est-ce qu'on fait ça? C'est 25 grammes pour 600. Ça c'est 30 pour 800, c'est énorme. Ouais, ces choses-là, on va peut-être les garder de côté. Alors je sais que les beans, on peut les faire chauffer. Ça peut nous donner un bonus du coup de chaleur, mais on va les garder. Ok, 19 minutes pour l'eau. Je crois qu'on a des choses à préparer. J'ai récupéré ça. Très bien. Ok, je peux encore en faire. Ah, ok, on a chaud. Je voudrais voir si on peut pas capturer l'autre lapin. Ça nous ferait un peu plus de nourriture. On a un potable. Eau potable. Très bien. On a mangé ça. Okay, nickel. Lapin, lapin. À ton tour. Ah, parce qu'on est vraiment encore fatigué. On est vraiment, vraiment très fatigué. Donc il faut absolument partir. Par contre, donc on peut plus partir par le haut. Il va falloir passer par le bas. Et je pense que si du coup on passe par le bas, il faut aller vers la gauche pour Milton. Je crois. J'espère que je me gourre pas. Il y a quelque chose qui bouge ou pas? Maintenant qu'il n'y a plus la tempête et tout ça, ça... Ça va un peu mieux pour se repérer. Oh merde, il est où le lapin? Ouais, nous on était descendu par là. Ouais, donc là il faut une hachette. Ça c'est un problème parce qu'on a une scie et on a un couteau. Mais il faut une hachette pour couper ça. On peut plus revenir. Donc faut continuer vers le bas. Et je sais pas trop comment on va se débrouiller. Pour ça par contre. Ça va être un problème. Je sens qu'on va devoir se jeter, déployer nos ailes et prier pour que ça passe. Bon, l'autre lapin, je crois qu'il est parti. Cela, on n'a pas de corde. Si on a une corde, je sais pas. Ok, réchauffe-toi. Table. On va cuire. Encore un peu d'eau. On va rajouter un charbon. On va prendre une torche. Juste au cas où si le vent se lève trop et souffle notre feu. Comme ça on aura des torches de côté.
Je vois un peu l'eau. Par contre, ils ont changé les icônes de viande. J'avoue que je suis pas très satisfait, mais c'est pas très joli en fait. Je pense qu'on va prendre ça. Voilà, très bien. Je devrais économiser la nourriture. C'est vrai que, enfin, là, on va dormir de toute façon. On va sûrement s'affamer. Pour économiser la nourriture au début. Et puis après, une fois qu'on pourra genre bien chasser et tout ça, on commencera à... à être tout le temps plein de nourriture, en fait. Ok, on a 6 heures de feu. Très bien. C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Parfait. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Ah. Je suis bloqué. Ok, on va recharger la partie du coup. What? Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, je suis là. Qu'est-ce qui vient de se passer? On a eu un bug super étrange. Et j'ai l'impression que ça m'a re-téléporté où j'ai commencé l'aventure, je crois. Oh non, t'es sérieux? Je fais comment, moi? Sans déconner, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, au moins on n'a pas froid à l'intérieur. Bon, par contre, il y a toujours un loup. Mais tiens, mais comme. Faut tout refaire. Enfin, faut tout refaire. On était en direction de Milton, en fait. C'est la première fois que je vois ça, donc ça confirme bien hein, que Interland aime bien putain, il a drop gauche. Non, j'ai cru entendre le loup, mais je suis pas sûr. Non.
Donc Interland aime bien avoir des bugs hein, quand ils font leur, leur mise à jour. Je crois que c'était par là. Okay. Par contre, si on tombe nez à nez avec le loup, je fais quoi moi? Catastrophe. Il est derrière nous, je crois. Bon. Par contre, j'ai récupéré quasiment pas de vie. Enfin, si, quand même, mais je sais pas si... avec ce qui... avec la téléportation magique, là j'avoue je sais pas trop où on en est. Hein. Je pense qu'on est bon, mais c'était un peu bizarre. Alors, en fait j'ai voulu... enfin vous avez vu, hein, j'ai voulu quitter l'igloo. Et ça a fait comme si j'étais déjà quitté en fait de l'igloo. Et puis en fait ça m'a remis à l'intérieur, mais ça m'a complètement bloqué. Donc je vois pas trop ce qui s'est passé en fait. Bah du coup qu'est-ce qu'on fait nous? Là on a la corde. Bah du coup dans un sens ça va nous aider de faire ça, mais bon, ça fait un peu comme si on avait triché, non? Par où on va passer? Là-bas on a une corde, ok. On va aller là-bas. Parce que s'il faut on est... comment dire? Si c'est vraiment Milton qui est adossé à cette région, on est proche... C'est quoi que j'entends? Les corbeaux ils sont... Oh! Il y a quelque chose en haut. Oh là, monte. Te casse pas une cheville s'il te plaît. C'est quoi? C'est un cadavre d'humain ou c'est une carcasse? Enfin, c'est un cadavre ou une carcasse? C'est quoi ça? C'est un cadavre. Très bien, je prends... Merde, j'ai pas vu ce que... Oh là là, ça s'affiche pas. Je sais pas ce qu'on a récupéré, c'est bien. Bon, par contre, du coup, on va continuer de ce côté-là. On va voir où ça nous mène. Je sais pas du tout ce qu'on a récupéré. Faut que je prenne l'habitude de lire maintenant, que pas que je clique trop vite, parce que l'image ne s'affiche pas. En tout cas, c'est pas des nouveaux vêtements, donc on s'en fout, on avance. Aïe aïe aïe. J'en avais parlé de ça, j'en avais parlé en disant que j'avais peur de me lancer trop vite, en fait, dans une nouvelle aventure. Bon, pour l'instant, on n'a rien de qui brise notre aventure, on a juste... Parce qu'en fait, on a un super départ. C'est pour ça que ça m'embêterait de devoir le refaire. Je vais être honnête.
ça m'embêterait énormément de devoir le refaire. Avec tous les objets qu'on a récupérés, des objets rares. Mais ouais, la téléportation, c'était un peu... un peu étrange, quoi. Sur le coup, je me suis dit que c'était une autre sauvegarde et tout, mais en fait, non, j'en ai plus qu'une. Toutes les anciennes sauvegardes ne sont plus compatibles. Donc il n'y en a plus qu'une qui fonctionne. Ah non! Je crois que c'est bloqué. Non! T'es sérieux? Attends. Oh non. Mince! Il est obligé de faire le tour. Ah, du coup, on est obligé de prendre la corde. Oh merde. Ah, oh, ça, c'est le pire, ça. On est obligé de prendre la corde. Mais je pense que Milton est de ce côté-là. Des vagues souvenirs que j'ai. Je pense que qu'elle est là. Après, cette région, là, cette région où on est, je l'avais faite, mais... très très loin dans notre aventure. J'avais énormément de matériel et tout. J'avais sûrement un super sac de couchage. Donc, on n'avait pas vraiment de problème. Mais là j'avoue que ouais, ça, c'est un peu la galère. Pas que je me fatigue si on doit prendre une corde en plus, c'est bien. Bon, au final, non, ça nous aide pas. Parce qu'on est bloqué de la même façon. On est bloqué de la même façon. Il faut... comment dire? Il faut... faut prendre une corne, peu importe. Je vais essayer de prendre la corde et après aller vers le côté gauche. Par contre, il faudrait vraiment qu'on commence à se bouger. Oui, j'y suis allé là. On va pas s'arrêter. Ok, très bien. Évidemment qu'il y a des loups, sinon ce serait pas drôle. Oh, c'est quoi, c'est pas... C'est quoi ça? Oh mon dieu, ça c'est un ours. Ok. Mon dieu, prends-la là. Il y a un ours qui traîne. Ah, on doit être plus loin que l'ours. Hein. Non, mon dieu, je suis en train de tomber, quoi.
passer par là. Parce que là, ça monte. Avec de la chance, on va pouvoir bifurquer vers le haut et aller vers Milton. Parce que je suis certain que c'est par là. Par contre, fais voir un peu... Ok, ça va. Je peux pas vraiment sprinter non plus. Ça, c'est un problème. C'est par là? Non. Si. Je crois que c'est par là. Je crois que ça, c'est le long chemin si on n'a pas de matériel. C'est le chemin de la mort, honnêtement. Mais je crois que c'est le long chemin si on n'a pas de matériel. C'est-à-dire la hachette, principalement. Pour pouvoir couper les ronces. Je me rappelle que dans les anciennes saisons... Enfin, j'avais pas vraiment eu de problème, personnellement, parce que j'avais la hachette. Mais on a dû couper pas mal de trucs, en fait. Pour se frayer un chemin. Par contre, on est en hauteur, donc en théorie, on devrait être... plus ou moins ok. Genre, il devrait pas avoir de loup, je crois. Je crois. Par contre, je me rappelle plus comment on retourne à Milton. Est-ce qu'on va passer par une grotte ou est-ce qu'on va passer par une ouverture? Je me rappelle pas en fait à quel côté de Milton on atterrit. Est-ce que c'est le bas ou est-ce que c'est le haut de Milton? Ouh, ça c'est une belle grotte. Ok, c'est une grotte alors. Une grotte. Oui, maintenant je me rappelle bien de cet endroit. Oui, oui, oui. Là c'est le début. Oui, oui, non, ça c'est Milton. 100% c'est Milton. Je me rappelle maintenant. Il y a le côté gauche. Nous, on allait surtout du côté gauche. Où il y a il y a beaucoup d'arbres. Oui, voilà, il y a les chutes aussi. C'est plus une forêt sur le côté gauche. Alors que là-bas, c'est plus une montagne. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je sais toujours pas quoi penser du... de cette téléportation étrange. Bon, je peux rien y faire de toute façon. C'est où ça où je recommence, donc bon. Pas vraiment envie de recommencer. Par contre, dis-moi qu'on a chaud. Yes, on quitte, c'est ça, c'est bon. Oh yes, on a chaud. Parfait. Parfait, parfait. Alors ça... J'aime vraiment pas ce nouveau... icône là. C'est super sombre, je trouve. J'aime vraiment pas du tout. Si jamais je trouve un mod... Ah, c'est ça qu'on a eu. De la nourriture pour chien, je crois. Si jamais je trouve un mod qui permet d'avoir les anciens icônes, je le prendrai. Ouais, non, mais par contre, je vois rien du tout. Attendez, est-ce que je peux voir quelque chose ou pas du tout? Ouais, non, non, là, je vais pas... Pas y aller à l'aveuglette non plus. Oh, les torches, normalement. Là. Ok, très bien. Oh, attends, il y a plusieurs passages. Attends, là, nous, on vient de là. Donc, il y a un passage... Ah oui, ok, non, c'est un cul-de-sac. Okay, on va prendre le charbon. On va allumer des torches. Je crois qu'on va peut-être faire un feu, histoire de faire cuire ce qu'on a préparé. Comme ça, ça nous boostera la chaleur. Oh. Non. Nickel. Nickel.
Nickel, nickel. Par contre, on va prendre une nouvelle torche. Donc ouais, allumer des torches, faire des trains de torches, comme j'appelle ça. C'est vraiment pas mal. Ah, par contre, on commence à être fatigué et je commence à être un peu lourd. Je prends le tout charbon que je trouve. Normalement, c'est très lourd le charbon. C'est pas vraiment une bonne chose de le prendre. Mais pour le moment, ça permet de faire du chaud très facilement. On va pas... On va faire ça. On va faire un feu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que... À l'époque, la survie était quand même beaucoup plus difficile, hein, parce que maintenant je pense au charbon. C'est très simple en fait d'augmenter la chaleur très vite et d'avoir un long feu de nos jours avec le charbon. Alors qu'avant, il fallait attendre un certain temps déjà pour pouvoir utiliser le charbon. Je crois que c'était genre 30 minutes dans le jeu. Je crois. Non, on avait dit qu'on attendait. Ok, très bien. On est pas mal. Je vais voir le poids. Ça va. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a à faire? 9 minutes. Peut-être virer le lapin, ça nous aidera pour le poids. Quoique, ok, parti. Il reste quoi? Putain, pas fini, c'est très bien. Ok, maintenant on va voir de quel côté on est. Milton, oh, j'avais raison, yes. Alors, région Milton. Région Milton. Mais du coup, c'est où? Est-ce que c'est le bas de Milton avec... Oh, il y a un loup là-bas, il y a une biche là-bas. Ok, cool. Ah, est-ce que c'est le bas de Milton avec la ferme? Ah, c'est embêtant parce que si le loup il l'attaque, on pourrait aller récupérer de la viande. Ou alors c'est le haut de Milton. C'est ça ma question. Le haut de Milton, on pourrait directement aller. Oh, il y a une route. Merde, c'est de quel côté? Oh, je. C'est pas où il y a l'église? Non, non, c'est pas où il y a l'église. Non, c'est pas comme. C'est pas ici, c'est pas l'église ça. Ah, je sais plus. Je crois que c'est où c'est qu'il y a l'église.
crois que là-bas il y a le cimetière avec l'église, je crois. Oh, c'est stressant. Oui. Et là-bas, normalement, il y a un bungalow, là, un truc. Là, je faisais souvent une pause ici pour aller dans la grotte qui permet d'aller dans l'autre zone, en fait. Je crois que j'ai bon. Oh, la question, c'est est-ce qu'on peut dormir? Merde. Ok, course. Oh, yo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 
Et bien sûr, toujours se mettre accroupi quand on sort des bâtiments. Je sais que là, il y a des baies. Mais... je suis pas trop rassuré, en fait. Ok, on prend les baies. Ok. On fait tout super sneaky, quoi. Ok, prêt dans 6 minutes, bouillie dans 12 minutes. Ok. Ah, du coup, je crois qu'on va commencer un peu à s'affamer, sauf quand on doit dormir. Comme ça, on récupère de la vie. Bah, du coup, en fait, on va peut-être pas s'affamer maintenant. Ouais. Ok, très bien. On mange tout ça. Bouillie dans 6 minutes. Ah, je suis tenté de manger les conserves maintenant. Je vais être honnête. C'est ça que je veux. Faire cuire ça. On est en très bon état en fait. Honnêtement, je suis assez content de nous. On a un très bon départ. En fait, on a... Et ça, c'est vraiment la connaissance en fait du jeu, hein, de connaissance des zones et tout ça, qui m'a permis de vite sortir d'où on était. Donc nous, on était dans la vallée de la rivière Calme. Ouais. Et du coup, on est parti à Milton. Très bien. Mais ah oui, j'aurais pu regarder la carte du monde en fait. C'est vrai que maintenant, il... Oh. Quoi de bruit? Non, tout va bien. Mais oui, c'est ce qui nous a permis de sortir assez rapidement. Donc c'est vraiment une zone horrible où on était. Je fais des pauses pour écouter en fait s'il n'y a pas le loup qui arrive. Ok, très bien. Parfait. Mais oui, le coup à Milton maintenant c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose d'être à Milton. C'est ça là pour le moment. Donc on peut dormir, yes. Donc alors. Aussi on va essayer de cuire le plus possible de choses pour pouvoir monter de niveau. Genre tout l'été et tout ça, on va tous les faire à chaque fois. Donc ça c'est bien. Je vais juste les boire parce que ça donne des calories aussi. Et comme ça, ça nous booste toute l'eau. Voilà, très bien. Allez. Bonne nuit. On va continuer encore un peu. Hein, l'épisode va pas s'arrêter. Du coup, on peut dormir. On est à combien? Ouais, on est à 5 degrés, ça va. On peut dormir. 10. Ok. On va se réveiller un peu. Un peu en pleine journée. Mais c'est pas très grave. Ce n'est point grave. Voilà, pas à fond, parce que si jamais on trouve des choses qui... on est bon avec le poids. Ok, on se baisse. Ah, on est nickel! On est nickel! Let's go! Ok, cool. Ok, on va en plein Milton. Est-ce qu'il reste quoi sur la carcasse? Fourrure et des boyaux. Ça nous permet...
Non, mais non. Ça nous fera un leurre si on a besoin. Les leurres extrêmement importants, extrêmement puissants. Dans The Long Dark. Le mieux c'est avoir des petits morceaux de viande. Alors. On va retourner sur le côté gauche. Et en théorie, ça nous... Ça nous remet sur la route. Qui va nous amener à une église. Ah bah en fait on est en pleine matinée. Non ça va, on est bien. Je suis assez surpris là. Ah, est-ce qu'il n'y a pas des massettes là? Je sais plus s'il y a des massettes sur celui-là, le petit lac là. Par contre, faut faire gaffe, hein, parce qu'on a quand même... Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, il y a des massettes. Il y a beaucoup de... De loups. Hamilton. C'est un cerf qui est mort. Là-bas, il y a une biche. Là, je vois des lapins. Le cerf qui est mort, ça peut être vachement intéressant pour nous. Mais pour le moment, c'est pas vraiment une priorité. J'ai envie de dire, c'est surtout pour la peau. Parce que plus on prend des peaux comme ça, tôt et... Et plus on peut les faire sécher en fait rapidement. Par contre, je vais me taire parce qu'il y a peut-être des loups là qui traînent. Ok. Comme ça, on n'a pas froid. Très bien. Église de Saint-Christopher. Rien du tout. Votre carte. Les livres pour le moment. Les livres sont bien pour faire du feu. C'est genre 80% au lieu de 60%. Oh, ça c'est bien. Mais voilà, c'est bien pour le début en fait, quand on n'est pas très haut en feu. Là oui, c'est vrai qu'il y avait un lit aussi, c'est vrai que j'avais complètement oublié de ça. C'est vrai qu'il y a un lit. Par contre, j'ai vu qu'on était trop lourd. C'est embêtant ça. Voilà, on va prendre ça. Je voudrais bien augmenter notre notre vie. Un peu lourd. C'est pas grave, on continue. Ah, tissu. Tissu. Pas de rideau ici. Hein. Non. Il va falloir qu'on récupère des... Ah, les tissus. Putain, on va en avoir plein, Milton. Ah, c'est pas mal, ça aussi. Et oui, parce que Milton, il y a plein de maisons. Du coup, niveau tissu, c'est magnifique. Ouais, niveau tissu, c'est magnifique. Bon. Alors ce qu'on va faire, ouais, on va arriver à la fin. Oh, c'est des biches. Oh, ça tue.
On va arriver à la fin de notre épisode, donc ce qu'on va faire, on va arrêter notre épisode quand on sera à la maison principale de Milton. Vous la connaissez tous, à chaque fois on campe là, c'est la meilleure. Elle est en plein milieu du... de Milton. Oh, il nous faudra un arc. Sérieux, quoi. Si on arrive à se débrouiller... Comment il faut... C'est quoi pour faire l'arc? Il nous faut le bois, le sécher. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Oh, des boyaux. Ah, après, il faut du matériel pour crafter, je sais plus. Mais je crois qu'on peut le faire avec le couteau, je sais pas. Parce que, oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que nous, en théorie, on doit faire... on doit crafter, donc... On doit fabriquer la hachette et le couteau improvisé, en fait. La hachette improvisée et le couteau improvisé. Mais là, on a déjà le couteau, en fait. Ça, c'est vachement bien. Oh merde. Le cadavre. Oh là là, il fallait que t'ailles sur la droite. Je t'ai lâché le lapin et tu t'en fous. Ok. On va faire le tour de cette maison, puis après on va s'arrêter là. Maison à Milton. Ah oui, je mettais plein d'eau, réfrigérateur et au frigidaire et tout ça. Là, on a la poêle, on a du charbon, on peut peindre. Non, on peut peindre. Un faitout. Yes, on va le mettre là. Pas peindre, mais dessiner la map. Ça aussi, il faut qu'on le fasse. Ok, très bien. J'avais dit que je ferais peut-être des ellipses. Quand il y a beaucoup de genres de farms ou beaucoup de choses, on va dire, inintéressantes. Milton, j'ai envie de dire, Milton en fait partie. Je peux pas vraiment vous montrer parce que j'ai pas la carte de Milton, mais... en gros, c'est beaucoup de maisons les unes après les autres. Donc si jamais il n'y a rien de très très spécial, en fait... Ouh, cuisine. Soupe de tomates. S'il y a pas trop de choses spéciales qui se passent. Peut-être que j'accélérerai un peu ce moment-là. Parce que fouiller maison après maison après maison, honnêtement, c'est pas vraiment super intéressant. Même moi, je trouve que c'est un peu chiant, même moi, de le faire. Parce que c'est de ça, en fait, tout le temps. Genre fouiller des placards, fouiller des trucs. Donc, je vais voir. Ouh, on fait tout encore. Yes. Lui, je crois qu'il y est toujours, là. Très bien. Les rideaux, ce sera pour le tissu. Et on va faire le tour de Milton. Et après, il va nous falloir un kit de couture. Et on va rafistoler tous nos vêtements. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de tissus. Donc ça va être vraiment, vraiment bien. Mais il faut le faire quand on aura fouillé quasiment toutes les maisons, en fait, de Milton. Pour avoir les meilleurs vêtements possibles qu'on peut récupérer. Qu'est-ce qui manque? Ah,
bien. Ah, ben oui, je peux récupérer l'eau là aussi. Oui. C'est de l'eau potable en plus. Nickel. Ouh, des allumettes, nickel. Alors attends, ça. On va le déchirer parce que des fois il y a des choses derrière. Oh, yes. C'est ça tue. Là il y a une journée. Une caisse. Je sais que ça je l'ai appris mais assez tard. Ouh, un pantalon de combat. Assez tard, c'est que derrière ce rideau-là, des fois il y a des objets assez rares en fait. Et là, c'est ce qui s'est passé. Kit de couture, parfait. Par contre, le problème, c'est est-ce qu'on essaye de rester genre positif en calories ou pas? Parce que je crois bien, c'est quoi? C'est quand on a 72 heures de positif, on a un bonus pour porter les choses. Mais au début, c'est un peu compliqué en fait de garder les calories. Donc, bon, je crois pas qu'on puisse le faire au début. Je pense honnêtement qu'on peut pas le faire. Ah, même ça. Mais c'est moi ou... En fait, les icônes, ils ont été... Genre... assombris, j'ai envie de dire. Ils ont été assombris. Non? Les icônes? J'ai l'impression. Alors, on a un jeune érable. Jeune érable, c'est quoi, jeune érable? Dis-moi que c'est un arc. Dis-moi que c'est un arc. C'est un arc. C'est un arc. Ça tue. Et là, on a un pantalon de combat. Très bien. Alors, on va poser des choses quand on est très très loin. Donc ça on pose, le cuir séché on pose, les plumes on n'a pas besoin. Ici on va en récupérer plein. Marteau, pas besoin, balle. Le kit de couture, il y en a un, on le pose. Le livre aussi, pareil, la scie. La scie on va en poser une. La pierre aiguisée pour le moment on n'a pas besoin. Les vêtements supplémentaires, ça. Les soins. Tablette d'eau, pour le moment, on n'a pas besoin. Ouais, là, on est un peu plus léger. Là, on va mettre l'eau. Voilà. Je vais sortir et re-rentrer. Ça sera notre sauvegarde, du coup. Et voilà. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je pense qu'on est très bien. Je pense qu'on est plutôt cool, là. Donc, on va continuer Milton la prochaine fois. Tiens, il faudrait que je pense à poser le fait tout. On va continuer à parcourir Milton. Donc, notre but à Milton... C'est de trouver les meilleurs vêtements possibles. Et après, on les rafistolera, pardon. Tous, plus ou moins tous, qu'ils soient tous à 100%. Ce serait vraiment bien. Alors après, maintenant, c'est le coût des calories. Est-ce qu'on essaye de rester dans le positif pour avoir le bonus de 10 kilos? Honnêtement, je pense pas que ça soit utile. Je pense pas qu'on puisse le faire en ce moment. Parce que là, par exemple, j'ai 500, 600, 600... Et 300, j'ai aucun ouvre-boîte. Donc ça veut dire que je vais perdre peut-être genre 50% à chaque fois de calories. Là on a 300 et après on a des massettes. Mais les massettes on en a plus beaucoup. Donc je pense pas que ça vaut le coup en fait d'essayer de maintenir ça. Quand on pourra chasser, oui. Quand on pourra chasser, on le fera. Et surtout, je crois qu'à la limite, c'est pas que quand on pourra chasser... C'est quand on pourra manger, quand on aura la cuisine au niveau 5 et qu'on peut manger de la viande de loup et tout ça. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là qu'on pourra
qu'on pourra se permettre de manger comme on veut. Ouais, 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 c'est vrai. Mais ouais. Peut-être qu'on trouvera des armes dans Hamilton. Et il faudra aller descendre vers la... Ah, mais je peux pas vraiment le montrer. Ouais, non, ça sert à rien. Vers la grange, en fait. Vers le bas de Milton. Parce que peut-être qu'il y a des nouveautés aussi, là. Mais ouais. En théorie, on devrait trouver aussi une cuisine, je crois. Enfin, pas là-bas, mais je sais pas où. Mais je crois qu'ils ont rajouté une cuisine pour faire à manger. Préparer des plats spéciaux, je crois bien. Et si jamais on trouve des armes, je crois qu'on peut les customiser maintenant. Je sais pas trop s'il faut un atelier spécial ou pas. Mais on verra. Bah, en tout cas, c'est cool. Ça se passe bien. Ça se passe très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et à la prochaine pour plus de la survie du week-end. Ciao, ciao.